Et donc salut à tous, c'est Inox, on se retrouve pour une toute petite vidéo, enfin toute petite vidéo non. Alors je suis désolé de ne pas pouvoir vous proposer des vidéos, là ça va être encore une vidéo un peu en mode à l'arrache, mais j'ai envie de faire pour ce mois, donc ce mois de février 2017, quelques petites vidéos pour parler des jeux de la Wii U, parce que la Wii U est morte, hein, très clairement. La Switch va sortir d'ici moins d'un mois, d'ici une vingtaine de jours, je crois 19 jours, hein, du genre. Donc oui, on peut bien le dire, la Wii U est morte, hein. Et j'ai envie de vous parler des jeux qui m'ont. Enfin, j'en ai pas mal, des jeux, j'en ai une dizaine à peu près. Pour certains, ça fait pas beaucoup, mais techniquement, sur la Wii U, il y en a très peu. Mais j'ai envie de vous parler de certains jeux qui m'ont bien plu, et je sais pas, je vais peut-être en faire plusieurs vidéos, je ne sais pas encore. Mais pour cette première vidéo, en tout cas, j'ai envie de vous parler d'un jeu exceptionnel sorti en décembre 2015. Un jeu qui va vous prendre des heures et des heures, des centaines d'heures à finir. Je ne l'ai pas fini moi-même, hein, très clairement. Je vais m'y remettre là très bientôt. C'est un jeu que j'ai acheté quand c'est sorti en édition collector parce que je savais que ça allait, le prix allait très vite flamber. Et c'est donc Xenoblade Chronicles X que j'ai là dans sa belle boîte collector. Enfin, alors, pour certains, c'est pas vraiment collector, c'est édition limitée, on va dire. Donc là, dans son magnifique steelbook. Alors c'est très gris, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais comme vous voyez sur la boîte, il y a un très joli robot. Et les robots, c'est cool. Pourquoi ce jeu? Alors c'est un RPG, un RPG japonais. C'est pas du tour par tour, par contre c'est de l'action en temps réel à peu près. L'histoire, en deux, trois mots, la Terre a été détruite, enfin la Terre a été attaquée par des extraterrestres. Vous êtes donc un des derniers à être parti grâce à des énormes vaisseaux, c'est des paquebots, des trucs gigantesques, donc dans un vaisseau qui s'appelle la Grande Blanche. Vous êtes arrivé sur une planète dont je ne me souviens plus du nom. Mira, c'est ça. La planète s'appelle Mira. Donc vous arrivez sur cette planète. Et il faut que vous. Donc vous faites partie des derniers humains qui existent. Et vous devez faire en sorte que. De pas de contrôler cette planète, mais de survivre en fait. Parce que c'est une planète qui est remplie d'animaux énormes. Ils appellent ça des autochtones, mais. Enfin voilà. Les autochtones sont juste gigants. Il y en a qui sont gigantesques. Les plus petits font à peu près votre taille. Donc forcément. C'est assez compliqué de se retrouver là-dedans. Pourquoi je parle de ce jeu-là en premier? Alors, tout d'abord, c'est pas un jeu qui va être à portée de toutes les bourses. Pour ceux qui vont s'acheter. Désolé, je regardais un truc en même temps. Pour ceux qui veulent s'acheter une Wii U, parce que c'est un jeu qui, en version. Si vous pouvez le trouver aux alentours, en occasion, à une quarantaine d'euros. L'édition limitée ne cherchait pas, enfin ne cherchait pas déjà parce que très clairement, si vous voulez vous y mettre, si vous voulez découvrir ce jeu, je vous conseille pas la version limitée. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ça ne vaut pas le coup parce que vous allez vous en tirer pour une trentaine de balles et tout ce qui en plus techniquement c'est un joli poster, un tout petit artbook. Alors l'artbook est magnifique, hein, très clairement. L'artbook est vraiment magnifique, mais un tout petit artbook, donc il n'y a pas grand chose à voir. Et le steelbook, donc c'est tout ce que vous allez pouvoir trouver dans cette édition. Je ne vous conseille pas d'aller chercher l'édition limitée, qui est juste pas inabordable pour tout le monde, mais qui n'est pas, enfin, ça ne vaut pas le coup. Très clairement, branchez-vous plutôt sur la version standard que vous allez déjà avoir quelque peu de mal à trouver. Pourquoi ce jeu? Bon, déjà parce que j'ai passé une quarantaine d'heures où j'en ai fait à peu près 15%. Oui, à peu près, hein, pas 15%. Et pas 15% du jeu complet, hein, je parle de l'histoire. Donc on est sur un jeu avec une. Enfin,
Il y a tellement de trucs à faire là-dedans que ça en devient, ça en limite, c'est pas offensant, mais c'est limite insolent, quoi. Il y a trop de trucs à faire. Alors, là, je parle bien de Xenoblade Chronicles X. Alors, pour ceux qui le savent, alors je ne l'ai pas, parce que c'est pareil, là, c'est encore pire que Xenoblade Chronicles X. Ça, c'est pas vraiment une suite. Ça se passe même pas dans le même univers, on peut pas vraiment dire ça. Il y a des références, il y a des trucs comme ça. Mais c'est un jeu qui est dans la même série que Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles sur Wii, qui lui aussi a un nombre d'heures de jeu incroyable. Mais ce qui est bien dans celui-là, c'est que comme vous voyez là, on peut contrôler un putain de robot qui s'appelle. Alors c'est des Skels, ils appellent ça. C'est des énormes robots, c'est super jouissif à contrôler, mais c'est pareil, pour débloquer les scales, il vous faudra environ une trentaine d'heures de jeu. Alors, donc voilà, ce jeu, si vous avez une Wii U, ou si vous comptez vous en acheter une, et que vous le trouvez à un prix raisonnable, ne mettez pas des. Sauf si vraiment vous le voulez, mais si vous l'auriez vraiment voulu, vous l'auriez pris à la sortie. Si vous le trouvez à un prix raisonnable, que vous achetiez une Wii U maintenant, parce que très clairement, la Wii U, enfin la production va s'arrêter. Ça va être de plus en plus compliqué à en trouver. Et moi, je vous conseille, dans l'année qui vient. Si vous ne voulez pas vous acheter la Switch, mais que vous voulez vous acheter une console avec quelques jeux, quelques vraiment excellents jeux à vous mettre sous la dent, n'hésitez pas à prendre la Wii U. Et si vous voulez un jeu qui vous durera plus d'une centaine d'heures, prenez Xenoblade Chronicles X. C'est vraiment un must-have de cette console. Et. Donc voilà, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos, un peu comme ça, un peu à l'arrache, toujours, mais pour vous parler des jeux qui sont bien sur cette console, parce que putain, il y en a quand même pas mal, même moi, j'en ai effleuré qu'un quart du truc. Je vais peut-être pas parler des exclus, mais je vais parler de certains trucs. Donc voilà, si vous prenez une Wii U, et que vous voulez un bon RPG japonais compliqué sur certains points, qui vous demandera beaucoup d'investissement hein, quand même, hein, il va vous falloir un nombre d'heures incroyable pour le finir, prenez ce Xenoblade Chronicles X. Donc voilà, c'était cette première vidéo un peu de rétrospective sur la Ryu en mode à l'arrache, bien sûr. Je vais essayer d'en sortir quelques-unes, je crois que je vais retourner un peu à la suite ce soir, et je vais les sortir un peu durant le mois de février. Sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve en mars. Je vais essayer de faire une petite vidéo sur la Switch. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon repas, je ne sais pas. Je vous dis à la prochaine. Salut!